Bonjour les amis, ici Gros Choco Geek. Je vous l'avais promis depuis un moment, à savoir que le premier opus m'avait bien marqué, que le petit intermède m'avait bien marqué. Nous voici sur Life is Strange 2. J'ai fait un petit peu le début, histoire de voir ce que donnait la jouabilité, ce que donnait le scénisme. Donc une partie de ce que je vais vous montrer là, je l'ai déjà fait. C'est pour ça d'ailleurs que je vais faire un petit truc un peu pas sympa à un moment, mais vous comprendrez par la suite pourquoi. Je l'avais pas fait sur la première version. Donc on va se lancer tout de suite dans une nouvelle aventure et je suis parti sur le principe que j'avais sauvé. Voilà, ça c'est ce que j'ai déjà fait. On va le supprimer tout de suite. Pouic. Voilà, sans aucune forme de regret. Et on va partir sur le principe que l'on avait sauvé Chloé est sacrifiée Arcadia Bay. Et je vais devoir couper les musiques. Non, ça m'emmerde. Non, je vais laisser les musiques libres de droit, c'est pas grave, ils feront des réclamations, ils toucheront zéro, mais c'est pas grave. Et c'est parti. Je me tais pendant toute la première partie du jeu parce que bah, il va y avoir beaucoup de choses, même s'il n'y a pas. Vous allez voir. Life is Strange 2 sur la chaîne Gros Choco Geek. Ça commence maintenant. Officer Matthews, I've got a 1010 in progress. 1452 Lewis Avenue. I'm gonna need backup. Copy that. All backup available. He didn't do anything. It's gonna be all right. On the ground. C'est une petite ville américaine. Sympa. Okay, update time. You heard back from Jen yet? No. I'm sure she'll reply at some point. Let me take a look at the situation. Hey, Jen, you going to the party tonight? Dude, we talked about this. Could you have any less game? I'm no good at this. Ooh, how about... Yo, Jen, see you at the party. Let me know if I should...
bring Hank cups? Oh my god, you thirsty bitch. Here, let Lila the Love Witch work her magic. Okay, just... Lila the Love Witch. I said matchmaker, not miracle worker. Hey, hold on. Let me check it before you send. Too late. Would be awesome to see you there. What? I could have texted that. Oui, mais tu l'as pas fait. She'll text back, you'll see. J'aime bien son t-shirt, mademoiselle. No, I don't even know if I want to go tonight. Oh, please. It's gonna be fun. You hate every party. Oh, because they're all the same. Too many people, too fucking loud, everybody's wasted. Yes, Sean, you just described a party. Doo-doo. Well, the suspense is killing me. It's Dad. Wants to know if I'm coming home after school. Jeez, I'm not a 10-year-old. He just cares about you, Sean. Anyway, you should be happy your dad's looking out for you. Oh, it's Jen. Alors, she can't wait to see us at the party. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ça se passe à Halloween. Yes. Told you I would work my matchmaker magic. Hmm. So what should I wear tonight? A condom. Oh, ha ha. Paying plenty of attention in sex ed class, I see. Hey, lovebirds. Le gros débilus. Shut the fuck up, dickhead. Yep. Always true to himself. Je vous rappelle que je suis contre le bully, je suis contre le fait de maltraiter des gens verbalement ou physiquement. Ne restez pas planqué si vous voyez que ça arrive. Agissez. Ooh, careful. Last time my dad almost busted me out here. Because you were alone? Your dad wouldn't bust me. He loves me. So, you want to hit or not? On va rester sur les choix que j'ai fait avant. Alors attendez voir, je crois que je... Non, mais il faut que j'utilise la souris. Nah, maybe at the party. Track stars aren't supposed to smoke, you know? Yeah, sure. I'll remember this when you're begging for a spliff tonight. Ou pas. Speaking of weed, I got that covered tonight. What else do we need? Eric said his parents don't leave shit at the cabin, so we better make an official party list. Hey, what the hell are don't you doing? Don't move. You're my human post-it note. First, we need money for supplies, munchies, chips and dip, soda, etc. This better wash beaucoup off. And of course, we must not forget the booze. I can probably la bière, pour ceux qui ne savent pas. Hey, did you ever think of maybe just sending a text instead? Oh, right. Blankets. It's gonna get so chilly tonight. You and Jen are gonna need something to snuggle under. Ce serait dommage que Jen attrape froid les fesses à l'air. Oh, one last thing. C-O-N-D-O... Oh, stop. You're out of room, punk. Is this how you see a penis? Damn, you should try and actually see one for real. You don't want to go down that road, dude. My chances of scoring tonight are probably 10 times yours. Hey. Ouais. These fucking planes, man. Bien sûr que je suis plus puceau, j'ai au moins couché 3 fois en rêve. So much. Should change us so fast. I get so emo sometimes, wondering what will happen to us once we graduate. Will you still be my BFF? Will shit ever get better than 1452 Lame Avenue? Hey! On va rester dans le positif! Friends forever. Yeah, but what happens if we go to different colleges? Or you get sick of me? Whatever. You heard of the internet? No way distance can tear us apart. We're freaking fighters. Yeah, you're right. Best freaking fighters forever.
Donc le jeu est de 2018, hein, donc voilà. Skype me later when you're ready. Hugs. Hugs. Talk to you soon. Elle, la seule personne avec qui elle a envie de conclure, c'est lui. Et vous pouvez me dire ce que vous voudrez dans les commentaires. J'aurais du mal à croire le contraire. Et hop. Hey, perfect timing. Just the son I wanted to see. Oh, sure. But I'm a little busy. Did you see Lila? She said we can go to the movies next week. She said... Dude, bug her, not me. You're not exactly her type. You're lucky she puts up with you. Ugh, jeez. Thanks, Pop. I feel really supported right now. Le petit tacle parental, là. Now we need an objective judge. That would be you. Really? Hey! No fair. Court is in session. Judge Diaz, presiding over the case of the last Choco Crisp. I have to go, get ready for a party and stuff. So... Well, if you want to attend to a party and stuff, you have to earn it, Your Honor. Oh, shit. Hey, he swore. Yes, I heard tattletale. Please, Judge Diaz, be an example to the court and society. Then you can go hook up or chill or whatever. Now, who deserves to eat this final Choco Crisp? Your adorable little brother who eats about 10 bags a week, or your poor, suffering father who slaves over a hot engine to provide his family with a home and a garage? Me, me, me! Et du mascara. Come on, Judge. Let him decide. Judge, the verdict, please. Alors, j'ai déjà fait cette petite partie. Donc je vais laisser le petit biscuit au gamin dans l'optique de pouvoir aller lui parler dans sa chambre, ce que je n'ai pas pu faire dans la version que j'ai fait en test. Et on verra bien. On verra bien. Daniel is innocent. And so the jury gives him the Choco Crisp. Oh yeah, I win. Okay, back to work. I hear an engine calling my name. Like you always do. Hey, hey, I have to go to work in my room, too. Yeah? Don't hurry back. Ah, merde, il a fermé la porte. Ah, merde! Dans le test, j'avais fait la... Donc, dans la version test, j'avais mangé carrément la barre de chocolat et il était parti furax dans sa piole. Bon, on va aller directement ici. All right, Dad. Where do you put the blankets? Pou 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 pou. Oh, j'avais oublié que j'avais pas vu le. Dad said we could go to Mount Baker this year. The trails are insane. Hey, dis donc, regardez, ils ont même prévu une petite fenêtre avec un petit bout de rue, quoi. C'est. Ah, donc on a toujours l'option de regarder et de fouiller. How long is he gonna keep all this shit? Thank God I don't have to take one of Daniel's. Donc on va prendre déjà les couvertures. Miss one blanket for the night. Appuyez sur I pour afficher votre inventaire. Ah oui, d'accord, c'est très sobre. Dad should just sell that other bike. Ouais. Donc je vais enregistrer sur une durée, je ne vais pas faire d'intro ou d'outro, hein. Je vais profiter du jeu. Can't believe Dad actually asked me to tag up this wall. Well, of course, he asked Daniel too. Là, j'aime bien les petites rajoutes de Daniel, c'est... Donc, est-ce que... Ah, d'accord. Jour, nuit. Jour, nuit. Pardon. Donc, loi première du métallier serrurier ou du mécano, toujours être organisé. It's me, Daniel. Cool. Can you tell your big brother he's grounded tonight? Hey. Le père, il a vraiment du bois. You're creeping around up there. Can you pass me the wrench in the top red drawer over there? Sure. Can do. Alors, petit changement qu'il y a eu par rapport aux deux sessions précédentes, c'est qu'il y a des actions
Vous ne pouvez les faire que qui ne se déverrouillent qu'une fois que vous avez fait l'action principale demandée. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais vous allez voir ça très rapidement. Donc il va nous demander. I know he left it nearby. It's a 16mm reversible flex wrench. Jeez. Donc on va pas se casser les noisettes. So, yeah. Donc 16mm, cliquez, c'est bon. Sam came by the garage today. Told me to tell you hi for him. How's his leg? Well, you know, old fossils like us don't heal the way you do. Remind me never to get old. Hey, it beats the alternative. Hey, hey, en effet, en effet. Hey, yes, that's the one. That was quick. So you did learn something from your old man after all. Non, juste le replay. Yeah, yeah. All right, just let me tighten this. So, finally decided to come and join your old man under the hood, huh? Yeah, sure. I know it's not your thing, but you gotta learn a trade. Art, athletics, engineering, I don't care. As long as you put your heart into it. Ce qui est très, 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 très bon conseil d'un père. J'aurais pas pu donner un meilleur conseil à mon fils si j'en avais un, mais j'ai pas de gosse. I'm trying. I just don't know what direction to go. You're only 16 years old. You've got time to figure it out. Trust me, it took me a while too. And you happy with it? I mean, your job, living here? Of course I am. We're doing great. Maybe one day when I retire, I'll go back to Mexico. Mexico. Puerto Lobos. Puerto Lobos. Until then. Entendos. I've heard this one before. Charal. Charalos. A sweet car for graduation. Vous me reconnaître le travail du Pierre. It's wicked. Du père. I'm just not used to driving. You better get used to it, or you'll be taking your date to prom on the number 30 bus. Like I'm going on tons of dates. Not when Daniel's cock-blocking me the whole time. He's 9. He doesn't even know what cock-blocking is. He looks up to you, Jean. Try and help him. It's what family is for. Things are kind of scary out there in this country right now. Yeah. Oh, by the way, ha! I was wondering how long it'd take. You need money for the party tonight, right? Shh. Just be honest with me. No bullshit. Are you using this money to buy alcohol? Weed? It's in Halloween. I mean, yeah, probably. But we'll be partying at a house and nobody's driving home. I swear. Well, everybody's got to get home somehow. But yeah, you and Lila better not get in any car with somebody who can't walk straight. Holy shit, 40 bucks? Really? Yeah, why not? You did a good job on the lawn. Plus, I appreciate that you didn't lie to me. Thanks, Dad. Just be careful. That's all I'm asking for, okay? I know what kind of crazy shit kids can get into. When you were my age, did you party a lot? Sorry. What happens in Mexico stays in Mexico. Mexico. Now get out of here before I change my mind about that cash. And keep an eye on Daniel while you're home. Would you? All right. Thanks, Dad. Ça veut dire que si un jour... Oui. Not so fast, Shawnee boy. Oui. Quoi? Don't you think your papito deserves a hug? Ah, il vient de filer $40. Hey. Okay, have fun. But not too much. I won't. Le père, il vient de te filer $40 pour faire ta chouille. I love you too, hijo. Pour te payer de la weed et de l'alcool. I bet voilà. Dad had a pretty wild teenagehood. Even though he won't tell. Mm.
Nouveau message de Lila. Putain, j'ai marre de vivre sur cette planète. Ça y est, t'es prêt pour la soirée? Réponds ou j'y vais avec ton beau gosse de père. Ah, il y a des choses. Oui, donc ça, moi, je les ai déjà lues. Je vous les mets rapidement. Comme ça, si vous les regardez, vous avez juste besoin de faire une petite pause. J'avoue que le dessin est très très stylé, un mix entre Gorillaz et du Marvel. La fameuse fille dont il est amoureux qu'on ne verra probablement jamais. J'ai l'impression que c'est le voisin débile, mais j'ai l'impression qu'ils se sont pris la tête à un moment ou un autre. Je ne saurai jamais. Là, on va mettre un petit lire. C'était trop un chien ce mec, merde, MDR, non? C'est tellement raciste, Sharon. Le numéro de téléphone de Jen. Le meilleur profil de Lila, crâne d'œuf, prof de maths. Crâne d'œuf, prof de maths. Ah, oui. Tac. Ça va, tout va bien. Par contre, MR Mingard. Oh putain, d'accord. Je l'ai pas lu ça. Qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui, Madame White? Elle est trop hargneuse, je sais pas. Peut-être son nouveau chéri l'a quitté. C'est pas le premier. Ça va? T'as l'air crevé. Insomnie, encore. Merde, il dit quoi ton psy? Rien, il me prescrit des somnifères. Merci, Docteur Obvious. C'est un charlatan. Ouais, faut que j'en trouve un autre. T'as voir ton carnet? Non. T'as dessiné Jen? Voyeur. Pourquoi tu fais jamais mon portrait? Regarde. Ça fera 200$. Ah putain, d'accord. C'est les 200$ pour ce portrait, et effectivement. Vous voyez, elle a vraiment le love interest maximal, quoi. Damn, Lila's so hyped up for tonight. Better hurry. Oui. Mais d'abord, on danse. Est-ce que je peux danser devant? Voilà. Definitely going to need major snacks for the party. Voilà, I would be fucked if I had to help Dad in the shop. Donc là, on a des options qui apparaissent une fois que le dialogue est validé. Ouais, c'est moins... C'est pas gagné. T'es pas le seul. Ah, c'est un genou que j'ai failli laisser. Rien d'autre dans le coin là. J'étais pas venu. Oh, l'extincteur. No more 4th of July fireworks after last year. Donc on a la marche normale et la marche accélérée. Damn. You can open a hardware store with all of this. Carrément pas. Running the garage was Dad's dream. I'm proud of him. Honestly. Je suis fier de lui, vraiment. Ouais. Comme quoi l'adaptation française, ça reste toujours un peu. I used to go see them all the time. Can old people be cool. $15 l'entrée. Ouais. J'aime beaucoup la petite musique. Dad is actually kind of a secret geek. Maybe a nerd. Et j'ai pas non plus été voir là-bas s'il y avait des choses, mais j'ai pas l'impression. Par contre, il y a du chantier qui est encore en attente. Hein. Tu te démerdes bien sur les bagnoles, mais niveau baraque. Ça aurait été trop compliqué de mettre du B13 là. Oh là, je te jure. Bon. Ici. Ah. Petit truc que j'avais pas vu. Yeah. I tried to read that. Snooze. Cat loves all that political crap. Ça m'étonne pas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qui se sont débloquées ici? Non, je pense pas. Donc, on va aller essayer de parler au petit frère. Normalement, cette fois, il fait pas la gueule, il a pas verrouillé sa porte à clé. Et. Petit con! Ah, je peux frapper. Dude, come on, open up. Why? Because. Okay. Ouais, c'est bon, on peut aller lui parler. What are you doing in there, Dr. Frankenstein? Thanks for giving me the chill, Dr. Crisp. That's what big brothers are for. Sometimes. What's with the scissors? Can't tell you. It's a big secret. So don't come in. Ouais, okay, cool. Fine. Don't tell me. After all, I'm only your big brother.
who looks after you and takes care of you. Stop it. All I can say is, watch out for my costume in 3 days. This Halloween is gonna be awesome. Are you going to the party tonight at Aerith's house? Will Lila be there? Yes, 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 and no. You can't go. Teenagers only. I bet Lila would let me go. She's way nicer to me than you. Did she ask about me? Il est complètement in love de... allez, allez, de toute façon... She wants to marry. Shut up! Aunt... I don't even care if I can't go. Because I have secret stuff to do. Alone. Of course you do. Ah, ça valait le coup. Ça valait le coup. Ça valait tellement. Always up to something. Wonder what's next. Ça valait mais tellement le coup. Ça, j'avais pas vu. J'avais pas vu du tout et ça valait vraiment le coup. Well, it's not my turn to do the laundry. Oh mon dieu, ça valait tellement le coup. Je... Hein, regardez. Ok, brosse à dents. Daniel better not use my toothbrush again. Elle est comme dans Cyberpunk 2077, hey, mais en plus ridicule. What's up? Oh, try again, loser. Hey, you look totally hot. Oh my god, stop. Oh. Hey, you wanna share my blanket? C'est hey, pas mieux. Jen, do you wanna hang out sometime? Not bad. C'est pas le pire. Remember, don't be too thirsty. Complètement dalleux. Mais bon, c'est normal, t'es un ado. Mais... Donc on arrive dans le moment où bah, je vais faire des trucs qui me plaisent pas excessivement, j'avoue. Oui, donc ça, on ira après. Oh, il y a une porte qui est entrouverte. J'ai cru voir une porte entre... Là. Attendez, la vue de la sortie de la chambre, c'est pas le même appart. On se refait. Ah non, il y a bien une porte là-bas où on trouve dans la pièce. Allons jeter un œil. Et on peut rien y faire. Petite vue par la fenêtre chez le voisin. C'est très joli. I bet there's some junk in the kitchen I can grab. Je fais ce que je veux. C'est ma chaîne. Will Dad actually take us there one day? Doubt it. Ils ont traduit Puerto Lobos en français. Bravo les gars. He was so proud to get that. He should be. Esteban M. Diaz a passé les examens satisfait les conditions d'expérience professionnelle requises pour l'Institut de distinction en entretien automobile de Seattle et qu'il est désormais certifié DA pour les services énumérés ci-dessous technicien automobile expert délivré le 28 mars 2009 à Seattle, Washington. Bon, est-ce qu'il y a d'autres petites choses ici? Oui. At least I don't have to help Daniel out with math. Thanks, Je vous laisse faire les trucs dans votre tête. Hein. Je les ai déjà fait. Ça m'a déjà cassé les couilles. Voilà. Merci les maths. Merci les profs. Merci monsieur M. Gros con. Voilà. Voilà. C'est parti. Bam. Petite facture. The guy never stops working. Facture du père. Hein, du père à un client. 2 624 $ de travaux. Je sais pas s'il arnaque ou pas. Je sais pas. Je vois la photo. Daniel kept saying, I'm freezing. But we couldn't get him off the skis. Comme tous les gamins. Je l'avais pas vu la photo. C'est ça qui est toujours marrant, c'est que dans ce jeu, il y a plein de choses. What the? Is Dad baking something? Meet the Diaz, organization experts. Voilà. Voilà. Power beer. Sin fait caca, j'avais pas vu la dernière ligne. Et là on va faire la chose que je suis pas fier de faire, mais qu'on va faire quand même pour la suite du coup. Real funny, Dad. No harm.
I'll pay this back before next week's pizza night. Promise. Est-ce que je peux taxer dedans ou pas? Non, on peut pas retaxer dedans. Dad tries so hard to get on a healthy diet. On arrive quasiment. I can't wait for him to be on Instagram. Donc, on va aller s'intéresser au frigo. Ah oui, la recette de pâtes. Je vais vous laisser regarder la recette de pâtes parce qu'apparemment, elle est violemment. Secret recipe, fucking rules, actually. Voilà. Moi, je vais me l'imprimer, je vais tenter. Ça n'a pas l'air compliqué, hein, c'est des pâtes assez classiques, mais ça a l'air d'être une tuerie, donc à tester. Bien. Donc, ce que j'avais fait le premier coup, ici, c'était de prendre des cookies. Mais, du coup, il y a plus de bonbons d'Halloween en termes de bouffe que tout le reste. Donc, ça va être les bonbons d'Halloween. Dad is like a big kid. He gets so hyped for Halloween. Ça fait pas très gosse modèle, mais no c'est way. De la bouffe. Dad will kill me if I take his precious candy. D'accord, c'était bien la peine de me laisser le choix. Bon, bah on va prendre les cookies du coup. You're coming with me. Come in. Cross that off the list. Food down, drinks to go. Et là, on a de la pâte à cookies. Man, Daniel could live off this crap. Cookie dough. Donc là, on a les bières. C'est de la bière light, mais c'est de la bière quand même. Et là, on a du soda. J'avais pris les bières, mais du coup, on va prendre le soda. Don't forget the non-booze. Le soda Amori. Le soda avec une texture pas terrible. Docteur Amori. Et bah, Amori, si tu regardes cette vidéo, petit clin d'œil, petite dédicace. C'est pertinent. C'est aussi un bon choix technique. Alors, on a les couvertures, on a... je me rappelle plus où est la liste. Objectif. Non, mais c'est bon. Looks like I got everything. Better faire un dernier tour du salon. Dad flips out if I don't pick up my stuff. But Danny leaves his shit all over. Ouais, c'est un petit frère. Every Christmas, Dad wants to watch the Lord of the Rings trilogy with us. That's cool. Will cry. I come to do not life. Enter. Ever. Trust me, Dad, I won't. The actor lies, you told us. Can't wait for the rain. Ah! Makes me feel like drawing. Bon, on va aller dessiner, t'en fais pas. Man, is there any more boring sport than baseball? Le football. I don't know who plays more. Daniel? Playbox. Or Dad? Le pire, c'est que je trouve qu'elle a plus de gueule que les consoles qu'on a actuellement. Daniel spends hundreds of hours yelling into the mic playing Minecraft with Noah. I could just stay home and binge Top Gear with Dad and Daniel, but not tonight. Hey, Top Gear, si c'est la version anglaise, c'est valide. Si c'est la version française, poubelle. What if Jen came over? We can build a fire and... Dude, stop. C'est moi ou vous avez très 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 mal placé le meuble télé? Gotta go back to the living room and load the backpack. Oui, 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 ta bouche. D'accord, il y a un coin de jeu pour le gamin derrière. I'm not that into cars, but these are pretty bitching. Big wheels, ça roule. Les voitures musclées des années 60, les gros cylindrés des années 60. Traduction de merde. Cadillac Eldorado. Allez tous vous faire en papaouté avec un... Oh, j'avais pas testé le canapé. Dad hates sushi. But he orders it anyway for us. Hey, j'avais pas fait gaffe ça. Allez, posage de cul. If things go well, should I bring Jen back here? Maybe Dad won't like her. Or she won't like him. Ou Daniel va te casser ton cou. Or worse, she could get along. Oui, elle est effectivement vue comme ça. Dude, stop. I'm not even dating her. Yet. Je crois qu'il a fini son monologue. Allez, on se relève. Comme dans Life is Strange 1, bien sûr.
Il y a les petites séquences comme ça. Où tu te poses et tu regardes. Tu écoutes. Bon, bah du coup, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Je vais passer dans la chambre déjà. On va faire des petites choses dans la chambre. On s'occupera du sac après. Parce que bien entendu, le sac, c'est l'événement déclencheur pour la suite de l'histoire. Et je sais qu'il y a pas mal de choses à faire dans la chambre. J'en ai peut-être même raté. How many times have I watched it? Not enough. The crud. Couldn't live without this shit. Faudra apprendre. That would be sick to just go tag the world. I really like that one. I don't totally suck. Ah non, il est terrible. Il est terrible. Je sais pas qui est l'artiste qui l'a fait pour de vrai, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui a designé ce truc en vrai. Et le seul truc que je pourrais critiquer, c'est l'apparence de la lame. Le reste est génial. Thanks, Daniel. I'll treasure this gift always. Mais il a l'air de rien. Il est un petit peu artiste. Hein. Allez. My love will survive if I take 5 to practice my drawing. I should take a good look at the subject before drawing. On n'a pas trop le choix, c'est dommage. Mais on va faire ça. Comme pour le personnage de Life is Strange 1, okay. C'était la photo. Lui. C'est le dessin. The lighting is nice. It's been a while since I've sketched my room. Pretty good. But I can add more details if I want. I've looked enough. Time to draw now. Et j'avoue, le concept est bien fait. Looks cool on this. Not an easy task. Good job. Tiens, j'ai remarqué, petite infiltration d'eau ici. Est-ce que je peux me rasseoir sur le pouf? Non, c'est fini, hein. Told them not to take a picture of me after the race. I look like a sweaty pig. Sweaty pig, sweaty pig. C'est pas ta faute, sweaty pig, sweaty. Tu veux bien sortir? Aïe, aïe, aïe. C'est l'autre bouton. I should practice instead of putting it up here. But it looks pretty rad. Alors, ouais, c'est rad, mais c'est vrai que... Quand je dis ça, j'ai des rollers. Bon, bref, passons. Damn, I still have like 10 books left in the series. I won't finish until I'm 20. Mourka. Et hop. I think I know what to ask for Christmas. Ça, ils ont pas traduit Star Annihilation. Ils font toujours le petit choix. Hein. Lila was belting out so hard during that show. She lost her voice for a week. Et du coup, les photos là, ouais, ça doit être la fameuse Jen en fait. Ok. Man, I so don't want to work this weekend. Ouais. Very funny, Lila. On vous met la traduction. Good thing my boss has a sense of humor. Kind of. La table de chevet. Je n'ai pas regardé la table de chevet. Ah oui, il y a un truc très très important à récupérer ici. Dad wants me to keep this junk as backup. Oh, hi Gunther. Sorry. You stay hidden here. Repose en paix, Gunther du Centre Park. Repose en paix. We got these for free during sex ed last. Not sure Daniel is ready to be an uncle yet. Alors, je pense qu'on a tout fait. En dehors de la tâche et ce lampion dégueulasse. Ah, oui, si ça. We almost got caught by a crazy old dude. But it was such a blast. Such a blast. Les expressions en anglais qui sont juste géniales. This was such a cool day. Can't wait to go back out there with the crew. Du coup, je me demande qui est la bande. Parce que l'air de rien,
On n'en connaît qu'un seul de la bande. Enfin, on n'en connaît que deux de la bande, pardon, vu qu'elle est demoiselle. Bon, le computer. Ah, placard. Non, 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 le placard. Arrête, le placard. Good thing my boss has a sense of humor. Kind of. Alors. Eric got us some purple last month. It was fucking insane. Oh bah. Lila provides the weed tonight. I better be ready. My first hangover. Dad laughed at me so hard when I came back home. Je crois que c'est pour ça qu'il t'a filé des sous ce soir. Je peux pas prendre le scotch? Ça a l'air vachement utile le scotch. Non, non, bien sûr. Tant pis. Hey! Sorry, Lila. I'm just not a selfies kind of guy. Hey, puff. Okay. Don't be a stalker, Sean. Man, this is taking forever. Do they want me to pay for it? Oh my god. The internet was a mistake. Il traduit ça comment? L'attaque du lolcat. No safe for work. Lol. Je vais quand même refaire un petit tour sur les précédentes, voir comment c'est traduit. La balade civilisée, Godland. Ouais, c'est vachement la balade civilisée, c'est plus de... Ne laisse pas te dompter. Isadora Duncan. Il est chiant, quand même, plus ton profil, mais un selfie au moins, alerte voyeur. Quand je vous le dis que Lila, elle a un crush pour lui. Des photos bizarres là. Bon. Oh, mon petit voisin s'est réveillé. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Bon, bah. Du coup, on va aller vider le sac parce que je peux pas visiblement utiliser la suite. Bon. On va aller sur le sac. Voilà. Squeak. J'aime bien ce petit appart. Mais plein pied, je suis moins fan, je dois avouer. Un petit étage, c'est jamais de. Enfin, il est pas vraiment plein pied parce que t'as un énorme garage en dessous, mais vous avez compris quoi. Je peux pas sortir? Non, je peux pas sortir. Vous noterez qu'il n'y a aucune fenêtre qui donne sur le voisin des débiles. Hein. Quoique si, celle-là, en fait. Est-ce que je le vois, le voisin débile? Ouais, je vois le voisin débile. Et je suis un grand con, je suis gros et fort, et je ne sais rien faire d'autre que taper. Ok. Ouais. Gotta go back to the living room and load the backpack. Après, vous allez me dire, il a peut-être une raison pour être comme ça, mais il a peut-être des problèmes dans sa vie, mais avoir des problèmes dans sa vie, ça justifie pas que tu fasses des problèmes dans la vie des autres. Jeez, how old is this? We've had it since I was 10. Si t'es malheureux dans ta vie, demande de l'aide. Pourris pas la vie des autres. C'est pas en tapant sur les gens que t'auras de l'aide. Finally ready to go. Time to Skype Lila on my laptop. That's right. Qué pendejo. Voilà. Le voisin. J'ai l'impression que c'est vraiment le... Ouais, ça doit être le père du débile. Donc voilà, je pense qu'il y a, il y a une relation. Et ça aurait été peut-être pas déconnant, en fait, de mettre une palissade, un genre truc électrifié avec... Allez, on est reparti. On y va. J'ai eu un petit plantage shadow, donc normalement, tout va bien. Peut-être ma voix était un petit peu moins qualitative que la version précédente, mais on va faire avec. Allez. Hello, boy. Just give me a minute. Gee, where did I put the... hold on. Okay, hi. Did you get Hello. Everything on your hand list? It's all in my backpack, yeah. Dad hooked me up with some cash, so... We're set for the night.
In case we need anything else. Or if you and Jen need anything else. Oula. Elle est un peu jalouse. Okay, serious talk. What are you gonna say to Jen tonight? Well, I don't know. Play it cool, talk about the gig last week, get to know her tastes. Oh, oh my god. You did rehearse your moves for tonight. You're totally into her. On va rester simple. Duh. Why do you think I'm freaking out? She's so super cool. You're super cute. Just be yourself. That's why she's into you. Sean, I'm done. Look. I made zombie blood. It's corn syrup and food coloring. Hey. Hi, Lila. Get out of my room, Daniel. I was just... Come on, man. Just bugging the shit out of me again after I told you to knock? Yeah, but... I know. Anyway. Sean, you're an asshole. What's your problem? But... I want to see zombie blood if you don't. Ah, là, j'ai du timing bon. Sorry, sorry. I'll make it up to him. He knows I can be a dick. I'm just stressed out about tonight. Oh, please. We're gonna have so much fun. Maybe tonight's the night. Don't jinx me. Jinx? I'm your lucky charm, bitch. Okay. So when are you coming over? I just have to hit up the momster for the car keys and hope she doesn't make me lie too much about the party. I'm already in trouble from last time. This time, don't get caught. Allez, bouille. Let me see that drawing. This might be my masterpiece. It's my portrait. C'est comme ça qu'elle se croit. C'est comme ça qu'elle se voit. C'est une adolescente. Oh shit. Jen just posted her outfit for tonight. What? On her wall. You should check it up. It might. Oh merde. Hey. Il y a le gamin qui vient de passer là. Bon. Tant pis. Wow. Her hair. Wow indeed. I told you she was super into you, man. What's her profile picture got to do with me? Huh, you will see. I see you, Sean. Should we set the wedding date now? Hey, come on. It's just a heart. I like her hair, okay? Ew. No big deal. Sure. Regardez. Hold on, okay? Something's going on outside. What do you mean? Hey! Look at my shirt, asshole! Game over. What's the big deal? It's Halloween! Hey! Don't ever touch my brother! You hear me, Brett? Fuck you, Diaz. He got his fake blood shit all over my shirt! Look! I told you, it was an accident! You better leave us alone! Oh yeah, go hide in your dad's garage. Pussies, you think you own the block? Alors, la première fois j'ai demandé des explications, gamin, ça n'a rien changé, donc on va taper sur Brett, hein, de toute façon. Dude, step back. He didn't mean it. He's a fucking kid. He's a fucking retard. What did you just say? You heard me, bitch. Don't ever touch him again. Or what? You gonna get your daddy? Hey, asshole. I don't need him to protect me from you. Oh. You want to go? Oh yeah, motherfucker? Then go back to your own country. Whoa! Sean, you hit him! Get inside, now! Sean! You're dead meat, bitch! Et là... C'est le drame. Whole fucking family are going to jail! Losers! Adieu, ma colonne vertébrale. Me. Daniel, get over here! Sean! Is he hurt? Okay! Okay, step away. L'agent de police le plus mauvais de l'histoire. Step back. On the ground. Now. Hey, wait. This guy was beating up my little brother. Now, hands behind your head. This is fucking bullshit. Et jamais il appelle une ambulance, le mec. Oh no.
Sean, what's happening? Get on the ground, sir! Dad! We didn't do anything! Sean, be quiet! I swear! Officer, listen. I'm sorry, Dad. Daddy! Be quiet! I wanna go home! They're good kids, Officer. Don't move! I'm sure they didn't do anything. I said don't move! Stop this. We didn't do anything! It's gonna be alright. On the ground! Voilà. Le problème, c'est pas l'arme, c'est le débile qu'il a dans les mains. Pensez qu'il aurait demandé une ambulance ? Bah non ! Ça a bien tout déglingué quand même, hein ? Lui l'a mérité. Oh fuck! No way! No! Daniel! Hey! Come on! Daniel, come on! We gotta go! Now! Oui, il faut se casser! C'est le moment! Histoire de passer pour des fugitifs. On va dire qu'il y a une belle empreinte de pas de la main du... belle empreinte de pas de la main. Une belle empreinte de la main sur le t-shirt de l'autre crétin. Pas le temps de pleurer. La suite de la scène, vous la connaissez, les flics sortent. Ah, on a besoin de renfort, on a besoin de renfort. Besoin d'une ambulance. Enfin, on a besoin de deux ambulances ici. Je comprends même pas qu'ils les aient pas demandé. Enfin, c'est... Life is Strange 2 est un jeu narratif qui met l'accent sur les choix effectués par les joueurs. Vos actions et vos décisions auront des conséquences sur votre environnement et sur votre frère. Réfléchissez bien à vos choix. I'm a cool. Lonesome car I, far, far away from home. No, man. We can't stop here. We gotta keep going. No pouting, okay? Come on. But... My feet really hurt. These shoes suck. And we've been walking for 4 days. What? Only 2. Don't even try that shit. And my back hurts from sleeping under that stupid bridge. Yeah, so does mine. I was there too. Just knock it off. I hate it when you act like this. This is how people camp in the woods. It's not like being at home or in your room. This is a real adventure, right? So, come on. Let's hit the trail. Seriously. Where's Dad? Daniel, come on. We gotta go. Why isn't Dad with us, Sean? Doesn't he want to go camping too? Yes, but I told you that he can't. I told you. Okay? Okay. But I'm so sick of walking. I just wish I was back in my room. I know. I know. Hey.
At least we don't have to go to school on Monday, right? Yeah. Look, everybody's gonna be so stoked when they find out how far you walked. Really? Really? I bet Dad would be too. Do you think we walked, like, maybe 100 miles? Probably 200. Feels like it. Ooh, awesome possum. But next time, Dad better get me a good pair of shoes, like yours. Dude, a Bigfoot doesn't need good shoes. I'd rather be a wolf. Ow! Ow! We could be wolves. Yeah. Yeah, that works. Just work on that howl. Ow! Hey, you know what? Let's see if you can walk the whole way without complaining once. Huh? Like, you don't whine too? I don't whine. Un petit peu aussi quand même. Mais oui. Tag your ass and run. You're in the way? Not fair. Ouais, vous jouez au loup. Okay. I'm a zombie and I'm gonna eat you. Du 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 du. Rose. Je clique ou je clique? Mais dis-moi si tu veux que je clique. Je clique. Et si tu me dis pas que je clique, je clique. Bon allez, je vais cliquer. Bon, ça change rien. Profitez de la musique pendant que je râle. Salut moi. Vous allez pas faire les 4 jours en marche? Oui, c'est joli, mais ça devient chiant là. Je me pose la question, où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va aussi? Parce que... Je pense pas qu'ils vont voir la mer. Quoique... Ça me semblerait être la solution la plus logique. S'il y a une jour vivante. Apparemment, ils sont en froid avec, donc je sais pas. Bon, sinon, la musique, quand t'auras fini de me crasser les oreilles, là... Je peux faire un truc? Non, toujours pas. Randonnée simulator. John, look. What's that sign? Je suis totalement incapable de traduire. Dude, stop. You know what? You're not allowed to say that ever again. Yes, sir. It's cool, nice. Okay. I'm tired and hungry too. Hey, mon avis, ils ont fini les cookies. Listen, alors, Spring this looks like a perfect place to camp out. I bet we're not the first people to stay the night. Bon, on va arrêter là pour le moment. It's creepy. Ça sera la fin. Out here. La première vidéo. We didn't even see any cars. Quand il arrêtera de causer. I'm gonna camp here. I'll look out for you. Ah. Il y a des séances de tir au Uzi dans le coin. Voilà. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche pour suivre le fil de mes actualités. J'avais dit que tout serait enregistré d'une traite, mais vu que j'ai vu un petit bug Shadow, je préfère m'arrêter là pour le moment. Et puis j'ai faim, je vais aller manger. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à tout bientôt. Man, it's so dirty.
something? What is that? C'est la miniature pour la prochaine vidéo.